Et comment on a fait pour finir ce plan-là? Parce que quand on réfléchit, quand les gens en fait qui connaissent un peu le lieu, ils savent pas comment on peut avoir cette vue-là. Ouais. Et il se trouve qu'on a notre régisseur qui est extrêmement grand. Fin de cette projection première des 10 minutes. Non, franchement, le premier prix était mérité. Brago, c'était mérité. Il a rien eu, c'était mérité. C'est le dernier jour qu'on a vu Baptiste vivant. Conseil pour l'avenir, faut pas prendre des codes de cinéma parce que sinon on finit dans une voiture. Je suis venu à casser les cheveux comme des haglas. Faut que tu cries plus pour le making of, s'il te plaît. Il est pas froid. Comment allez-vous? Moi en tout cas, ça va extrêmement bien. Nouveau contenu sur la chaîne, nous allons vous donner des nouvelles de Brago, du film, pour ceux qui viennent d'arriver, du film qu'on produit depuis actuellement un an et demi. De très très bonnes infos qui arrivent, notamment une extrêmement importante, cette vidéo est là pour entre autres l'annoncer. Le trailer officiel du film va être projeté lors du festival Constellation à Metz, malheureusement c'est que pour ceux qui viennent de Metz, donc Ripple et les autres. Mais pas n'importe où, en plein air et lors des projections de différents films qu'il y aura tout au long de l'été dans la ville. Notamment le premier, c'est le Truman Show, le 26 juillet au Sablon, Square Théophile de Dain, je crois. De toute façon, les dates vont s'afficher en même temps que je parle, donc vous n'aurez qu'à noter. Attention, réservez bien vos places et faites bien en sorte d'arriver avant. Bon, déjà pour regarder le film en soi, vous n'êtes pas venu clairement, j'imagine pas que vous allez venir que pour nous. Ou alors dans ce cas-là, big up. Réservez bien vos places parce qu'il y aura un nombre de personnes limitées par la ville de Metz. Déjà, évidemment, avec l'actualité pour les émeutes, mais aussi surtout pour le Covid. Ils en sont encore là, enfin, autant c'est normal. Ils doivent respecter la loi. Le nombre de places sera limité. Je pense qu'il y aura des petites distributions, en tout cas, de boissons, gâteaux, en tout cas, qui seront gratuites, je pense. La dernière fois, c'était ça. Donc, je n'en sais rien, mais je pense que c'est ça. Réservez bien vos places, du coup, pour arriver en premier. Et surtout, gardez bien en tête qu'on ne sera pas à toutes les projections organisées par la ville de Metz. En aucun cas. On n'en est qu'à 3 pour l'instant pour sûr. Truman Show, Aline et le Château ambulant de Miyazaki. Voilà. Bon, dites donc, où en est le film sinon? Eh bien, en tout cas, il avance bien, ou plutôt, il avance bien en secret, puisqu'entre guillemets, on ne poste plus rien du tout. Parce que pourquoi notre Facebook a été hacké? Eh oui, c'est pas une blague. Dorénavant, je l'annonce entre guillemets ici, même si ça faisait très longtemps en fait qu'on voulait se séparer de Meta. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, c'est des bons gros en Flash Studio et ça va disparaître. On va carrément disparaître des réseaux, mis à part YouTube et prochainement un site qui arrive. Je ne peux pas, entre guillemets, vous annoncer de date pour l'instant pour le site car je ne l'ai pas sous la main. Flash Studio a été hacké. Mais sinon, de bonnes nouvelles, et oui, le montage touche entre guillemets à sa fin, le mixage finit aussi. Lors de ce récap et de ces nouvelles du film, vous allez découvrir deux vidéos, plus particulièrement deux événements qui se sont déroulés pour le film. On y allait, on a rencontré du monde, c'était franchement super sympa, on a aussi été invité par la région, vous allez donc découvrir ça par la suite. Mais je fais surtout cette vidéo pour vous annoncer un gros truc qui arrive, c'est le making of. Attention, il ne sortira pas sous forme de film, comme on avait pu faire avec Solitaire, mais cette fois-ci sous forme de série, et je crois que vous êtes en train de comprendre ce que je veux signifier. La musique est en train de démarrer, le générique s'annonce comme si. Ça s'appelle donc les journaux de bord. Ça vous détaillera tous les jours du tournage et vous expliquera tout du film sans pour autant rentrer dans l'histoire. Attention, trigger warning, on sait très bien. On espère qu'ils vont vous plaire. Ils vont sortir normalement d'ici le milieu fin d'été, surtout avant le début de la communication lourde du film qui va arriver, puisqu'on va essayer de bombarder partout. Et donc vous doutez bien que c'est aussi un but marketing, aussi communicatif de notre part envers vous. Pour vous présenter le film, aussi vous garder un peu en haleine sur le projet et du coup ne pas vous faire attendre pendant des années jusqu'à la sortie qui est prévue pour décembre 2023. Je rappelle, le film n'est pas sorti. Je vous laisse donc avec Étienne, qu'il arrive après ce cut qui va arriver dans moins de 10 secondes. Je vous souhaite en tout cas un très bon visionnage. On se donne du coup rendez-vous pour les journaux de bord. C'était Baptiste et je passe la parole à monsieur. Alors FNS, donc voilà, on n'a pas pu retirer de l'argent, on devait prendre deux burgers, mais malheureusement, il n'avait pas les fonds nécessaires. Une paille pour deux. Donc une paille pour deux. Notre repas. Et du coup, pour le repas, ça sera un Orangina. Et merci FNS, c'est super. Super.
que c'est zéro budget. Le manteau, c'est le manteau de Nanarone. Alors voilà, c'est bon, c'est terminé. C'était affreux, journée affreuse. J'ai eu qu'un panini à 4,80€ sans boisson. À midi, il m'a offert un Orangina qu'on a bu à deux. Personnellement, moi, j'avais encore soif après. Scandaleux, scandaleux. Et cet enfoiré, il a fait que des blagues et il m'a bien bisouté en fait. Cette sale race. Je vous fais un petit zoom sur lui. Il va se retourner là maintenant. Voilà, c'est lui. Rémi, fils de pute. Bonjour. Voilà. Un petit BFNS. Je remercie évidemment la région Grand Est, notamment tous les soutiens aussi, bien sûr, l'été. Mozelles qui nous a aussi soutenus, mais à la post-prod, en fait, qu'on devait demander pour le tournage, mais l'argent est arrivé pour la post-prod. On était contents de revoir ça, de recevoir ça à la fin du tournage, parce que si vous voulez, on était motivés, et on voit le chèque super intéressant, donc c'était. Bravo. Donc, écoutez, alors, je vais rien vous dire de plus, à part que Brago est un logatum, un mot à la sonorité très crédible, et qui ne veut absolument rien dire. Voilà, merci à vous. Même si je repousse les limites qui me sont imposées, je suis prisonnière des autres. Ah, tu dis quoi? Zéro prix? Ah, c'est ça exactement. Ce que Flash me suit la réponse. Bienvenue dans cette fin des King of, plutôt le début. Nous sommes actuellement au siège de la région. Alors il se trouve, voilà, que le siège de la région est actuellement super car, voilà, qu'est-ce que tu fais là? C'est un peu bizarre, monsieur. Au revoir, bonne soirée. Ils sont bizarres. Tu veux un mot? Monsieur Militon.